Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, une nouvelle journée avec nous. Alors je m'excuse pour hier, j'ai pas fini ma journée, il y a une collègue à JB qui l'a ramenée du travail hier, elle est restée manger, donc j'ai pas filmé et puis après je me suis couchée parce que j'étais naze. Donc je n'ai pas clôturé le vlog comme il faut. Mais bon, aujourd'hui... La voiture passe à l'expert. Je ne sais pas si c'est ce matin ou cet après-midi. On verra bien. De toute façon, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. Il est 9h moins le quart. Les enfants sont à l'école. Je vais aller réveiller la puce. Et je vais lui donner son biberon. Et puis, je pense que papa va se réveiller dans pas très longtemps non plus. Parce que si la voiture passe à l'expert chez le garage, vaut mieux qu'il soit levé pour y aller. Enfin, on va sûrement avoir la voiture de près... aujourd'hui, enfin j'espère. Ah, j'ai mal. Ouais, non, il n'y a rien. J'ai mal. Ben voilà. Tout le monde, je viens déposer les enfants à l'école. On a appelé le garage ce matin parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et en fait, l'expert est passé. Mais il n'a pas regardé notre voiture. Dans son listing, elle n'était pas dedans, donc il n'a pas regardé, même si elle était sur place. Donc il faut qu'on revoie avec l'assurance, enfin avec celle qui gère notre dossier, pour qu'elle refasse un rendez-vous avec l'expert pour qu'il revienne voir la voiture. Mais ils sont sympas, ils nous prêtent quand même... une voiture à partir de cet après-midi, 17h30. Donc c'est bon, on va avoir enfin notre deuxième voiture. Pas besoin de prendre la Mégane demain pour aller au travail. Il aura le Scénic. Il y a quoi d'autre aussi? Je me souviens ce que je voulais vous dire. J'ai encore failli me faire rentrer dedans à l'école. Dans ma voiture, dans ma portière, encore une deuxième fois. Avec la Mégane. La voiture a reculé pendant que je reculais. Elle m'a pas du tout regardé. J'ai dû m'arrêter. Et même me réavancer pour qu'elle ne me fausse pas dedans. J'en ai marre des voitures, j'en ai marre de tous ces problèmes. Le parking de l'école, c'est chiant là-dessus. Tout le monde recule, personne regarde. Ce serait des enfants à la place des voitures, ce serait pareil. C'est chiant, quoi. Mais bon, pas avec, hein. Tant que je me suis pas fait encore une deuxième fois rentrer dedans, c'est le principal. Coucou tout le monde.
Il est 4h30, il est l'heure d'aller chercher les garçons à l'école. Donc c'est moi qui y vais, hein. Et à 5h30 donc... Ah, oh, c'est quoi cette histoire encore là de clé? La clé de ma... Enfin, la pile de ma clé plutôt. Elle est en train de mourir. Donc, je la change, ma voiture ne s'allume plus toute seule. Donc je disais, et donc c'est sûr, à 5h30, on va chercher la nouvelle voiture. Enfin, la nouvelle. La voiture qu'on nous prête. Je suis pas sûre qu'elle soit en bon et, très bon état, mais bon... ce sera suffisant pour, en attendant que les travaux, la voiture se fasse. D'ailleurs, on a eu l'assurance au téléphone. Eux étaient persuadés que l'expert était passé et avait regardé notre voiture. Ce qui n'est pas le cas. Donc, elle a bien noté dans le dossier que l'expert passe et ne regarde pas notre voiture. Que c'est encore nous qui trouvions un moyen parce que le garage nous prête quand même la voiture. Même si l'expert n'est pas passé. Donc, elle note tout ça, comme quoi on se débrouille tout seul en fait depuis le début, qu'il n'y a rien qui fonctionne comme il faut. Bon bah j'y vais parce que sinon je vais être en retard. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est au garage. JB est parti chercher la voiture. Oh, j'espère que ce n'est pas une qui est trop vieille. Épaisse. Vieille, oui, c'est ça. Épaisse. Épaisse. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Juste vieille quoi. Qui roule bien. Hein? Oui. On va chercher une voiture, toi, oui. Oui. On espère qu'elle sera bien. On va installer tous les sièges auto dedans. On va pouvoir l'utiliser pour aller à Noël chez Papy Mimic. Ouais. Et chez Papy Mamie aussi. Ouais. Ouais, ouais, ça va être bien. Hein. Et ouais, ma puce. Ma puce aussi. Coucou. Coucou, ma puce. On va récupérer. Coucou. Papa, il va récupérer l'autre voiture. Oui. Et nous, on attend. Nous, on attend tranquillement dans la voiture. On attend dans la voiture. Qu'il ait récupéré la voiture. Voilà la maison. En fait, on n'a pas eu de scénic, on a eu une Mégane, exactement la même que ce qu'on a déjà. Et donc, quand on est reparti, j'ai décidé de prendre un raccourci et j'ai gagné. Je suis arrivée la première. Oui. Il est beau le feu, mon Toby? Oui. Oh. C'est beau? Bonsoir. Alors, on vient d'avoir l'expert au téléphone. Ça, je savais pas. Il nous a appelé directement. Il a estimé les travaux pour l'instant à 5008. Donc, moins cher que la valeur de la voiture. Donc, au moins, on est content. Ça ne devient pas épave et... l'assurance payera donc les frais de réparation. Et il a dit que c'était une estimation, qu'il fallait démonter la voiture pour être sûr du prix et de savoir ce qu'il y avait vraiment besoin de réparer, de remplacer comme pièce ou quoi que ce soit. Donc il y en aurait sûrement pour 1000-2000 euros de plus. Ça fait quand même un sacré budget réparation. Heureusement qu'on n'a pas à payer parce que franchement, on ne pourrait pas les payer les réparations. 6000-7000 euros de réparation... je sais pas qui c'est qui pourrait payer quand on se... Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, on est content. Enfin, on est content. On est content de ne pas avoir à payer, hein, vu la somme des réparations. Mais l'expert reviendra donc normalement la semaine prochaine, quand ils ont démonté la voiture. Et il pense que les réparations seront faites pour le week-end du 12 janvier.
Donc, on va avoir la voiture de prêt pendant plus d'un mois. Là, on a la Mégane jusqu'à vendredi. Et on aura un scénic, normalement, à partir de vendredi. Et en fait, on a la Mégane parce que le scénic qui est en prêt, c'est pas le scénic en lui-même, c'est les réparations de la voiture de ceux à qui ils ont le scénic en prêt. Je sais pas si on comprend bien. Les réparations sont pas finies. Donc, on peut pas avoir la voiture qui est déjà chez quelqu'un. Mais à partir de vendredi, on l'aura. Donc, cette semaine, ça tombe bien. Vu que je suis à la maison, on n'a pas besoin de voiture. Tu fais du bruit, mon Toby. On n'a pas besoin de voiture, de grosses voitures pour les enfants, vu qu'il n'y a pas de trajet à faire. J'ai juste à les emmener à l'école. Donc, la Mégane, dans tous les cas, c'est suffisant. Donc, voilà. C'est tout ça. On a fait un feu. Sinon... je vais vous montrer. C'est vrai que ça fait trop du bien, la chaleur du feu, de cheminée. On dirait que la bûche qui était au-dessus est tombée finalement. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est bon? Ouais, t'es trop forte la puce. Hein? Le premier Happy Meal de la puce. Le premier McDo. McDo, oui. Comme c'est fou. Il est minuit moins 20. Je vais me coucher. Merde, il fait noir. Je vais me coucher. Maman, t'es dans le lit. Regardez, Moumou te m'attend dans le lit, colle est mignonne, hein? Ben oui ma bébé, donc je disais, il est minuit moins 20, je me couche, je suis endormie devant la télé en regardant les suites de Rendez-vous en terre inconnue, parce qu'on a regardé ça ce soir. Oh, franchement, c'était super émouvant. Des gens super, franchement. J'adore trop cette émission. Frédéric Lopez, il fait vraiment quelque chose de magnifique. D'emmener comme ça des gens. Oh, pardon.
voir des tribus, des gens qu'on connaît pas du tout, qui vivent vraiment différemment de nous, des traditions, des coutumes totalement différentes. Franchement, c'est super. Alors maintenant, je vais me coucher après cette bonne journée. Hein. On va dormir autant qu'on peut. Enfin, autant qu'on peut. Assez longtemps, j'espère, parce que demain, il n'y a pas école. Alors j'espère que les garçons vont dormir d'ici un bout. J'espère que les garçons ils vont dormir assez longtemps. Comme ça, je vais pouvoir me reposer. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit. De moumoute. Je vous dis bonne nuit et puis à demain. Bye bye.